voulais dédicacer un joueur de Chambéry, Gokhan. Salut tout le monde, c'est Naz06bis. On va regarder une vidéo de Mohamed Deni et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je voulais dédicacer un joueur de Chambéry, Gokhan Sétain. Bon, après, dans la vraie vie, son vrai métier, c'est moniteur de ski. Le foot, c'est un hobby pour lui, les gars. Mais il joue à Chambéry, il va affronter Lyon. Il s'appelle Gokhan Sétain. C'est plus sans Gohan, c'est sans Gokhan, les gars, la vie de ma mère. Gokhan Sétain, c'est Gokhan Éteint. Éteins les Lyonnais, s'il te plaît, sur la vie de ma mère. Voilà, sur la feuille de match, vous êtes plus fort que Lyon. Voilà. Voilà, les gars, sur la... vous avez rien à perdre. Vous avez rien, de toute façon, le Chambéry. Aucun palmarès, pas de vestiaire, pas d'eau chaude, pas d'équipement sportif, pas de maillot. Voilà, ils jouent torse nu, je crois, les joueurs. Ils vont jouer avec des maillots de handball. Allez, Chambéry, voilà, on est avec vous, les gars. Aux armes, nous sommes les Chamberlains et on n'a peur de rien. Allez. J'aime bien regarder les matchs de Mahrez ou de... Et à chaque fois que je regarde les matchs de City, lui, c'est incroyable. Il est tout avec, avec l'Algérie, il est incroyable. Quand il vient contre un contre toi, c'est difficile. Devinez qui est ce joueur. Je me désolidarise de Chambéry. Je n'ai plus rien à voir avec ce club. La Gilem, impossible. Ma famille d'abord ou Kaamelott? Qu'est-ce que c'est dur à choisir. Les deux meilleures séries de tous les temps. Avec Malcolm. Oh là les gars, le choix il est impossible. Aidez-moi si vous... Je voulais me désabonner du compte Instagram de Chambéry, mais ils n'ont pas Instagram. Aïe aïe aïe. Tout à l'heure, j'ai big up un joueur de Chambéry, Gokhan. Quoi pas? Gokhan Sétain. Je retire mon big up, il est trop nul au foot. Quoi? Du gauche. Ça joue. Ça... C'est fou quand même, hein. La Juventus sanctionnée qui perd 15 points en championnat. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que si l'OM prend la même sanction et si l'OM perd 15 points en championnat, on aurait toujours 2 points d'avance sur Lyon. Après plus de 30 années de poisse, j'ai enfin retrouvé la fève. 30 années qu'il n'a pas eu la fève. Lol. N'empêche, elles font mal ces fèves. Bon, moi, je ne mange pas pour fêter la fête des rois. C'est juste pour le gâteau, la frangipane, tout ça, pâte d'amande. Mais combien de fois ça m'est arrivé que je me suis fait mal aux dents carrément. C'est incroyable. Les amis, c'était la soirée de Mohamed Deni. Les amis, c'est la catastrophada pour Chambéry qui a perdu 3-0 face à Lyon. Face à Lyon, tout simplement. Donc, il est dégoûté, Mohamed Deni. Voilà, la plus grosse histoire entre Marseille et Lyon, ça remonte à l'époque quand Marseille avait fait une finale de C3, il me semble. Et Aulas, je sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, que les supporters marseillais allaient venir dans son stade, tout ça, ça avait déplu à tout le monde. Ça avait vraiment déplu à tout le monde à Marseille. Donc, c'est parti de là, en fait. C'est parti de là. Bon, il y avait déjà une rivalité footballistique parce que l'Olympique de Lyon, durant les années 2000 à 2008, on va dire de 98 à 2008, ils étaient tout le temps premiers avec Juninho, tout ça. Karim Benzema commençait, tout ça, sa carrière, tout ça. Donc, voilà, Mohamed Deni qui est un humoriste, Citizen Nasri sur Snapchat, voilà, humoriste et football. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Naz06bis. Tchuss.